Salut à tous, c'est Georgie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield Hardlines. Donc, ça va pas être une vidéo ni deux, mais ça va être plusieurs vidéos. En fait, tout un let's play pour être sincère avec vous. On va se faire la campagne tranquillou ensemble. Donc, avant de commencer, Battlefield est sorti hier pour moi, donc le 19 mars 2015. Il y a des chanceux qui l'ont eu avant, hein. Ouais. Des petits chanceux, des petits vilains. Donc après, le jeu est développé par Visceral Games, est édité par Electronic Arts, et puis c'est un FPS. Alors, voici les grands chapitres de Battlefield. Bon, après, c'est une grande série, hein. Ça a commencé il y a bien longtemps, mais bon. Donc bon, on va se lancer. Donc au niveau des épisodes, je sais pas vraiment combien de temps ils vont durer. Content que je sais pas la durée des chapitres. Alors ça, ce sera secret pour nous. Allez, vas-y, on va se lancer là, on va pas perdre de temps. Vétéran, ouais non, peut-être pas vétéran. Agent, ce niveau de difficulté est une expérience de jeu gratifiante, patati patata, ben, on va se mettre en agent. Allez, let's go les filles, c'est parti. Ah, j'espère que la musique va pas me poser problème. On verra bien, on verra bien. Parce que je sais que sur Twitch ça pose problème les musiques comme ça, il y a les droits d'auteur. Alors je sais pas si sur YouTube c'est vraiment la même chose. On verra bien. Oh yeah! Allez, on est, let's go. Regardez les paysages de notre belle nation tant que vous le pouvez, gentlemen. C'est la dernière fois que vous en profiterez avant longtemps. Nicolas Mendoza. Putain. Un type comme toi, t'as dû bien merder pour atterrir chez moi. Ouais, vous feriez mieux de sécuriser votre arme avant que l'une de ces charmantes personnes ne vous la subtilise. C'est un plaisir de voir des flics pourris échouer dans mon bus. C'est une preuve que le système fonctionne. Profitez du voyage, inspecteur. Ok, c'est là. Ouais, t'es sérieux, je commence comme ça, sans pression. Faut que j'active les sous-titres. Attends, pause! Option. Tac, 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 tac. C'est peut-être dans l'affichage. Synchronisation. Nani, 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 nani. Putain, les sous-titres, c'est où que ça va se cacher? Ah, sous-titres, c'est là. Oui, mettez-moi les sous-titres. What the fuck, c'est quoi ça? Ok, allons, on s'en branle. Ça devrait pas prendre longtemps. Propose de coffrer ces mecs et de se poser pour crailler. Ouais, d'accord. Je connais un Cubain pas trop mal, un peu plus long. Cubain, sans déconner, Nick, t'es aux mœurs maintenant. Tu peux te permettre mieux que des faillots et du riz. T'es sérieux? Des faillots et du riz? Je crois que je vais commander pour toi. Putain, j'ai une idée. C'est moi qui choisis le restaurant. Hein? Je te promets, les bananes plantains, c'est définitivement terminé. T'as déjà mangé Cubain? Je crois que tu devrais mener l'opération. Non, j'ai pas mangé Cubain. Sois autoritaire, vérifie tes angles morts, trouve notre type et on les met à genoux avant que quiconque puisse sortir son gun. Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais. Je sais, mais pas avec moi. D'accord, on y va. N'oublie pas de faire ta grosse voix. Ok, 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 ok. Frapper à la porte. Je peux bouger? Non, ouais. Police! On va rentrer! Oh, y'a les keufs qui se pointent! Non, donne-le! Mettez vos mains en évidence. Levez les mains, je vais voir. Reculez, éloignez-vous de la table. Frappez à la bonne porte. Et si tu m'enlevais cette lumière de la gueule? Oh merde, putain, c'est pas vrai. Nick, vas-y, menotte-les. Il faut qu'on se casse. Comment je fais pour les menotter? Comment je fais pour les menotter? Oh, ah d'accord, ok. Ok. Garde les mains sur la tête et tourne-toi doucement. Toi, fais pas le con, mec. Hey, tu fais une grosse erreur, mec. On est tous potes maintenant. Next, oh bah putain de merde, y'en a combien arrêté? Et en douceur. C'est du grand n'importe quoi.
Arrête, tu sais comme moi que c'est une putain de blague. Putain, j'ai combien de paires de menottes, mon gars matin. J'ai un sac de paires de menottes. Ce petit tas de coke me... Putain. Connard. What the fuck, la meuf, mon gars, elle sort des chiens de son... C'est vite parti en vrille. Merde. C'était quoi ce bordel? T'as pas surveillé la porte? Moi, je procède aux arrestations, et toi, t'es censé surveiller la pièce. Ouais. Ok, vérifie les corps. Ah, elle est sortie des chiottes, la meuf. Rassembler des preuves. Bingo. Quoi? Qu'est-ce qu'on a? Portefeuille, papier. Tu la connais? Non, cul de sac. Dommage qu'il n'y ait plus personne à interroger. Hé, hey, j'en avais ras le cul des burgers, alors j'ai pris cubain. Quelqu'un a faim? Hé, hey, tu bouges plus! Poursuis-le. Allez, vas-y, j'y vais! Reste où tu es! Don't move! Clap, tu pouvais pas naître! Tu fais rien pour arranger les choses! Putain, il est passé par la fenêtre, t'es sérieux, toi? Putain! Stoddard! En bas, vite! Nom de Dieu, nom de Dieu. Oula, le civil. Je viens m'approcher. Maintenant, Soda. Ah ouais, d'accord. Putain. Voilà, ça c'est de l'arrestation, ça. Reste où tu es. On tient, fils de pute. Ouais, bah, il est mal en point, le petit monsieur. Allez. Tu as le droit de garder le silence. Oh merde. Ah, tu le connais bien, ce sprint, hein. Lol. Énorme. Ah, ça fait générique de série et tout, nom de Dieu. Ah comme... oh, putain, c'est un acteur connu, lui, comment il s'appelle? Il a joué dans Shield, pour ceux qui ont regardé la série. Une longue série sur des flics ripoux et tout, c'est... Ils ont pas lésiné sur les moyens, hein. J'ai l'impression qu'il y a toute une ribambelle d'acteurs là-dedans. Ça va être bien sympa. Épisode 1, retour à l'école. Le capitaine Dway n'a pas les opérations foireuses et ma première sortie a été un peu agitée. Ces hommes l'évitent s'ils le peuvent, mais tout le monde n'a pas cette chance. D'accord. Bah, le prologue, il était court. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Le prologue qui a duré... quoi, 5 bonnes minutes. Identifier, arrêter les suspects pour un mandat et regagner une récompense. Ok. Ah, de toute façon, tout ce qui est objectif secondaire, je passe en solo. Et un autre arrêté lors d'une violente intervention de la police dans un hôtel de la ville. C'est le quatrième incident de la semaine lié au trafic de drogue à Miami. Ici Sky 5 en direct du centre-ville pour une interview exclusive du capitaine Julian Dose de la police criminelle. C'est une enquête en cours. Pas de commentaire donc? L'enquête est en cours, c'est mon commentaire. Sinon, j'aurais juste dit pas de commentaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai vu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale.
Inspecteur Mendoza et Dao, dans mon bureau. Oh merde. Vous vous connaissez déjà? En quelque sorte. Bien, je vous mets en équipe. Assis. Mendoza, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée. La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenu auprès de Tyson Latchford, avec qui l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompez. Elle a pas l'air ravie. C'est bien dommage. Il y en a juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la chambre d'hôtel. Je dis pas le contraire. Mais trêve d'excuses, inspecteur. Non, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Il dit de la coke corrigée aux incapables. Ces gars que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Putain, la mission clignotant, les gars. Hey, bah par contre, c'est à moi qui ai arrêté sur le passage piéton, quoi. Oh. La guerre de la drogue. C'est pas détendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de 6 mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolé. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça? Il disait que tu kiffais le boulot de flic. Boulot de flic. Inspecteur, oh, inspecteur. Merde, pas lui. Hey, votre pare-brise est sale. Vous le nettoie? Wow, 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 n'arrose pas mon pare-brise. Hey! Ok, ok. Eh, hey, si. Filez-moi juste. Filez-moi $5. Ok, je sais. C'est juste que. Je suis qu'un capitaliste. Je regrette, mon vieux. Pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudent, d'accord? Ouais. Énorme. On n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux? Belle ascension, dis donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South Beach. Non. Pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Non. Oh. Beau déclin, dis donc. Putain, respect ouais. Les limitations de vitesse, clignotant et tout. Une saisie de drogue, sûrement. Hé, j'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille. J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, hey, Guzman. Qui c'est, celui-là? C'est notre vieux pote Hugs. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hotshot. Couché, toi. Hugs, tu sais où est ton ami, Tap? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap? Ouais, tu l'as croisé? Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la 12e. D'accord, Guzman. Merci pour le tuyau. Mmh. Alors, juste au niveau de l'option affichage. Champ de vision. Ah, je crois qu'il n'a pas été modifié. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop près. Je vais mettre 100 pour voir, on va tâter. Bien vu, inspecteur. J'ai l'impression d'être trop près, t'sais. Pourtant je suis à 3 mètres de mon écran, t'sais, mais... Non, non. Hein? Alors t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça? Non, je suis né à La Havane. Sérieux? Comment t'es parti? Avec ma mère. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. On a mis autant de distance que possible entre lui et nous. Il est toujours à Cuba? À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y a pas à dire. Soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve? Ouais, bah je sais pas où on va comme ça, mais on y va. Putain! Va te faire ralenti. Ok. Tout va bien?
va bien, madame ? Ce putain de couvercle rentre pas. Bonne journée, madame. Ta gueule ! Bah, nom de Dieu, ils sont polis, et puis t'es pas bonne journée, mais bonne soirée. Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. What the fuck ? Depuis quand la route, elle est barrée, là ? Allez, si on débarque en caisse, on va foutre la trouille à tout le quartier. Comment je sors ? Je peux sortir ? Ah. Ici équipe 13, nous quittons le véhicule. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, il n'y a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens en aient ras le cul. Ah ouais. Putain, elle est classe la caisse quand même. Le type qu'on recherche traîne dans le coin, en général. Putain, les mecs ils passent leur vie sur le toit, y a des trucs sur les toits et tout. Ouais, bah c'est pas un quartier qui fait bon vivre, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas on est pas discret, on a les flingues à la ceinture, j'ai le gilet pare-balles à tous les coups. Oh, putain, je peux pas voir. Vas-y. Ça va, relax. Oh merde. Encore de rêve. Pauvre. Je suppose que tu connais le quartier. Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Vous fourrez des trucs dans votre pantalon. Thomas, m'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'ai trouvé. Ça se voit. Robin, monsieur, il boit du champagne comme ça, la bouteille. Il est sérieux. Ce poteau qui a acheté la bouteille, tu l'as piqué toi. Putain. On se croirait un peu dans les mêmes quartiers qu'à la GTA, tu vois. Sant Andreas, ça fait passer un peu au même bordel. Des tigans et tout. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, moi aussi je suis imprévisible. Ouais, mais par contre, putain, ouais, la vache. Vas-y d'abord, ce type me connaît. C'est pas très propre. Plus un geste. J'ai votre insigne pour immobiliser un suspect. Gardez votre arme braquée sur le suspect pour le garder en contrôle. Maintenez le suspect en joue ou sa jauge d'alerte se remplira. On bouge plus. Vous voulez quoi? Police de Miami, on a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui lui? Tant c'est mon nouveau coéquipier Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est? Va te faire mettre. Ouais, je peux mettre un coup de taser. Tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends. Allez, dis-moi où est tape et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière. Merde. Ce soir, il est au canapé, ok? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Vous vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là? Et on... C'est pas très malin. On le laisse menotter là, comme ça. Mais je suis sûr qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier. Et je l'emmerde. Allez, le canapé est tapé dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. C'est pas très très... C'est pas très très, hein. Ouais, là-bas, il y a du gang. Là. Oh, merde, c'est le gang de tape là-bas. Vaut mieux pas qu'ils sachent qu'on arrive. Suis-moi. Bah, il y en a deux qui se sont barrés, ma poule, hein. Deux qui se sont barrés, ça fait deux mecs qui disent ouais, il y a les flics qui sont là. Hein. Ah bon, moi après je dis ça, je dis rien. Niveau d'attention suspect. Le niveau d'attention des suspects est illustré de deux façons. La jauge d'alerte se remplit lentement au fur et à mesure qu'un suspect devient dangereux. Donc ça doit être ça. Les icônes de vision affichées sur le minimap selon votre position. D'accord. Ok, d'accord, ouais, putain. Ouais, je suis là. Oh merde. Tu raconteras à personne ce qu'on est en train de faire, hein, Nick? Par rapport à quoi, inspecteur? Brave garçon. Ok, allez. C'est un grand portail, ça. Ah ouais.
C'est bon. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu peux pas m'aider? Vas-y, carré, passe. C'est très aimable. Putain de gonzesse. Désolé d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs? On n'a pas fait équipe longtemps. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. Ok. Bon bah pour l'instant ça va, ça a l'air sympa. Après à voir ce que donne la campagne au fur et à mesure des épisodes. Et puis à mon avis c'est coupé par épisode, c'est plutôt pas mal pour les vidéos. On va couper par épisode. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. Après, je sais pas combien de temps ça dure. Là c'est bon, j'ai vu. Ouais, let's go, let's go, let's go. $20 sont à moi maintenant. Et si on passait à $50, tu veux en faire une? Ouais, d'accord, mais au meilleur des deux manches. Y'a un mec là-dedans. Merde, on est coincé. Balance un truc pour faire diversion. Comment je fais? Ah, W. Lancer une diversion. Ah putain, on se croirait dans les... dans The Fief et tous les jeux comme ça. Sniper Elite, c'est chaud quoi. Lancer une douille. Des douilles pour éloigner les suspects et rester discret. Lancer une douille ne détourne l'attention que d'un seul ennemi. Un rayon de diversion d'une douille apparaît sur l'ennemi. D'accord. Putain, il fallait que ça soit W quoi. C'est quoi ce bruit? Daryl? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma sœur. Ça se casse. Bah va vivre chez ta sœur. Ok. Par contre, il y a la masse de musique. Diversion, séparation, élimination. Lancer une douille ne détourne l'attention que d'un seul ennemi à la fois. Lancer une douille pour séparer le groupe d'ennemis. Et F. Ah. Tapez juste devant. N'est pas moyen qu'on passe ces deux types là sans en éliminer au moins un. Tu pourras les séparer? Oh merde. Ouais, pas de problème. Je me suis fail, mon gars. Quelque chose? Ah, bien. Tiens, biche. Hop, 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 hop. Tiens, mon gars. Allez, fais dodo. Ça te fait du bien. Elle est partout, la meuf. Allez, hop. Ah ouais, niveau discrétion, ça laisse quand même moyen avec Lugia. Avec écrit mon gros police dessus. T'es son nouvel équipier? Elle t'a déjà fait sa démo de karaté? C'est du Krav Maga, le karaté c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave délirer. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap est resté ici. Lève-toi, main sur la tête. Eh, hey, Tyson, où est-ce qu'il est? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous lisez pas la presse? Il cherche la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business. Mais je vous apprends rien, je crois. Hein. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Hein. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Là, je suis choqué, mon pote. Ah, j'ai une ordonnance du Toubib pour ça, hein. Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coke sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors ouais, s'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Objectif atteint, yeah. Ouais, le chargement d'infini. J'ai rien dit. Hey,
Ça va, l'oreillette? Ouais, elle tient. Et le micro? Dis quelque chose. Bénédicte Arnold. Hé, hey, tête de nœud, t'es pas Bénédicte Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là, et tu ressors illico. Ben tiens, si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Trouve tape sur le scanner, Nick. Ok... Ah d'accord, merde, pardon. Nombre sur nombre. Le scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est Big Brother, inspecteur. Putain, il a vraiment l'air d'un coup. Combien de temps qu'il a pris un bain d'après toi? J'en sais rien. Je suppose que tu viens voir Tyson. Tyson ferait mieux de s'en débarrasser, ce bâtard. Indice trouvé, what the fuck? Je veux voir Tyson. Tyson? Tu peux pas le voir comme ça, mon pote. Allez, vas-y, juste. Un tout petit service. Lâche-moi, rentre chez toi. Ben quoi? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi, commence pas à t'exciter, cousin. Allez, vas-y, vas-y, laisse-le passer. Ok. On y est. Allez, tape. Mène-nous jusqu'à Tyson. Je reconnais aucun de ces types. C'est quoi cette histoire d'indice? Essaie de voir à qui on a affaire. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. Ok. Ok. Là, il y en a. Là, il y en a. C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas? Ouais, je vais lui parler. Compris. C'est quoi cette histoire d'indice? Il y a trois indices à trouver. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Lui en tout cas il est armé. A mon avis ils sont tous armés. La zone est juste là. Je te donne 5 minutes. Parfait. Oh mon point. Qu'est-ce que tu fous là? C'est Tyson. Scanne-le. On a besoin de prouver qu'il était ici. Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Ah non, là j'ai rien. Il va peut-être bouger. J'ai rien, ma biche. Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? No problemo. Y'a pas de lézard. Mais qui est... Oh bah y'a du popole. Des balles de tennis aussi. Attends une petite seconde. C'est qui ça, putain? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Oh la vache! Oh merde! Ils en ont après Tyson! Allez, faut le rejoindre, tout de suite. Par contre, lui, il faut l'arrêter, lui. Échange de tir à l'angle de la 3ème et de la 33ème. Toutes les unités en alerte. Ouais, toutes les unités en alerte, bitch. Y a des trucs, je parie, à trouver, comme dans tous les BF. Dans BF4, c'était des plaques accrochées par des... Je te couvre. Qui ces mecs? Arrête ces types. Nels a engagé une équipe de Juarez. Juarez? Tu crois que Nels va ramener des mecs de Juarez? Pourquoi tu veux la pas te baisser? Je veux bien, mais pas du sud de la frontière. Mais cela ressemblait pas aux hommes de Nels. Ah oui, c'est vrai, putain, ouais, les immobilisés, ouais, c'est G. Ouais. Attends, bouge pas. Ces mecs qui tirent à tout va, d'où ils sortent? J'en sais rien. Don't move. Toi, tu restes là. Ça, ça va faire bizarre. Kai! Putain, elle s'est fait tirer dessus. Ouais, c'est tout connard. Les alliés viennent porter assistance, patati patata, d'accord. Bah, y'a le mec. Ah, il est là, lui. Coffre le type qui est recherché. Ouais. Mandat d'arrêt. Alors, arrêter un criminel sans lutter permet d'obtenir de meilleures récompenses. Scanner et analyser les suspects pour confirmer les avis de recherche.
Panis, mais c'est nickel ça, bah voilà, c'est nickel ça. T'avais raison. Oh non, je suis vermine de tape nous a conduit droit sur lui. Hop toi mon gars, pan. You're under arrest, don't move. PC, envoyez le fourgon. Bien, je peux pas arrêter son appel. On va aller check là-bas là. Chez... Ouais, ouais. En tout cas, ils ont tué tout le monde ces coins. C'est pas très chouette ça. Ça c'est pas très chouette. On va aller là. Allez, on y va doucement. On y va sans aucune pression qu'une. On arrive comme ça, vipant, élimination. Nickel, don't move. What? Non, non, je reste avec mon flingue. Ah, il y a peut-être un... Peut-être un truc. Ouais, tiens, regarde ça. C'est comme dans la plupart des BF, généralement, quand tu ramasses les armes ennemies... Bah, en plus de succès, voilà quoi. Tu déverrouilles les armes après. Ah, on peut se... Ouais, on peut se décaler bien. Il y a du pépole là-dedans. L'autre, là, là. Il regarde là. Merde ! Vous avez vraiment cru que vous pourriez nous échapper ? Hein ? Oh. Ouais, on va se planquer et attendre que ça se tasse. Personne ne m'échappe à moi ! Un seul. Nickel, lui. Par contre, il y a son poteau qui arrive, là. Putain de merde, il y a son poteau. Là. Son putain de poteau là. Ok, l'autre il a plus la douille en visu. What the fuck. Normalement il m'a pas vu. Normalement il me voit pas. Nickel, élimination. Oh attends. C'est quoi ce bordel? Allez vas-y toi. Ah mais merde, y'a l'autre qui regarde par contre. Ah fait chier la merde. Cette ça va être casse-couille cette histoire. C'est Ekdal, faut croire. Oh nickel. Oh nickel. Oh nickel, oh nickel, oh nickel, oh nickel, oh nickel, allez, 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 allez. Tiens, bon bitch. Reste à terre. Attends, je vais neutraliser l'autre là. Tiens, mange. À terre, bitch. Donc là, normalement, les mecs sont tous à l'étage. Il y a quoi comme flingue lui? J'ai 17 déjà pris. On est bon. On monte à l'étage. J'ai le taser aussi. Oh putain, j'ai une matraque. Tyson devrait être par ici. Oh, okay. Sur c'est cool. Ah le taser, ok, ils veulent qu'on utilise le taser. Là, toi je t'élimine, hop, couché, pas bougé. Non y'a pas d'indice, mais je sais pas ce que c'est les histoires d'indices. Attends, y'a pas un truc au niveau des options pour le son de la musique audio. Tu vois, rien, un indice trouvé 0 sur 3, je sais pas ce que c'est cette connerie. What? Fouillez les casiers, les bureaux, regardez partout. Ok, tac. Ok, ok, ok. Il fait quoi lui? Merde, par contre, il y a son pote qui regarde. Ça venait d'où ça? Faudrait que son pote il arrête de regarder dans ma direction. Ce
S'il arrête pas, je peux pas neutraliser. Oh bah attends, ouais, je sais. Oh merde. Putain, ils font chier. T'as pas intérêt à passer la porte, mon gars, parce que le mec, je le tase. Tiens toi, hop, à terre, tout de suite maintenant, faut pas bouger. Je sais comment je vais faire, ça c'est pas un indice? Non, même pas. Après quoi, on va balancer une douille là-bas. Voilà. Hop, on prend le mec par derrière, enfin, c'est un jeu de mots, hein, il est pas beau. Par contre, il a pas vu l'autre là, il a pas vu la coéquipière côté. Tiens toi, hop, mange, à terre. Ok, nickel, c'est bon. Je sais pas ce que c'est cette histoire d'indice, là ça me laisse perplexe. C'est moi ça? Ah, ouvrir le scanner, d'accord. Scan pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tizer. Ah, ouais, d'accord. Y'a rien d'autre? Oh. Ça c'est quoi ça? Analyse. Alors, les affaires s'ouvrent lorsque de nouvelles preuves sont analysées. Les scanners signalent un objet suspect à proximité. Analysez les preuves d'une affaire afin d'obtenir des récompenses. Ok, d'accord. La touche tab. Nanani nanana. Voir l'indice. Boîte hot shot. D'accord. Ok. Oh la vache, les chapitres, va y avoir de la preuve. Ok, d'accord, là c'est quoi ça, c'est pourquoi? Équipement tactique. Les meilleurs équipements sont débloqués à mesure de votre expérience, ouais. Ok, d'accord, page suivante. Accéder à votre progression en arrêtant les suspects, nananana, d'accord. Ok, après on obtient des armes et tout. On peut voir un peu, non? Ok, continue. Au niveau du flingue, oh ouais, ouais, il y a du mieux là. Oh, t'es sérieux? Ah, je le prends direct. Moi, je suis un gros amoureux des vieux flingues comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tout ce qui est d'accord. Oh la page, tout ce qu'il y a, mon gars. Ouais, bah, il y en a de l'arme. Ouais, peut-être, mais au niveau des gars, ouais, je reste pas mal. C'est quoi ça, taser? Tyrolienne, grappin, gilet, ouais, premier soin, boîte de munitions, mine laser, explosif C4. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, putain, la vache. Vas-y, on va se mettre en mode brigade d'intervention. On va être bien. Ok, sortir, c'est bon. Un petit 45, ça, c'est nickel. Bon, ok, donc. Ok, bien. Si ça se met à biper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. D'accord, ok. Ok, 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 ok. Ce truc est un peu bas de gamme pour Tizer. C'est la marque de Tizer. C'est sa coke. Ok, d'accord. Ok, 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 pas de problème. On va reprendre le teaser. Ah, nickel. Yeah, bitch. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Le type qui a inondé les rues de Miami avec du hot shot, cette saloperie de cocaïne liquide, notre nouvel ami, Tizer Latchford. Les gens aiment le hot shot parce qu'il fait planer, sans mauvais trip derrière. C'est ce qu'ils disent. Je peux traîner Tizer devant un tribunal avec cette preuve, à condition qu'il vive assez longtemps. Donc, le dossier hot shot. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai tout ça, j'ai les revolvers. D'accord. Ok, bah voir la conclusion. Le type qui a inondé les rues de Miami. Ah oui, merde, non, mais ça c'est déjà fait, d'accord. Putain. Cette saloperie de cocaïne liquide. Notre nouvel ami, Tizer Latchford. Les gens aiment le hot shot parce qu'il fait planer. Sans mauvais trip derrière. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Ah bah. Traîner Tizer devant un tribunal avec cette preuve. À condition qu'il vive assez longtemps. Ok, 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 ok. Ok, bon retour. Ok, bah écoute, tous les indices sont faits. Viens voir ça. T'as trouvé Tizer? Ah ouais, c'est quoi ça? Ouvrir.
C'est portable. Kyle, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion. Oh, c'est Skype. C'est Skip. On peut se reconnecter. Oh merde. C'est vous qui les avez conduits ici? Pas vrai? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Eh merde. Ça s'arrange pas. Eh, ton pote Tap s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde! Écoute. Il a un gilet. C'était pas mes hommes, ok? Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois? Dis-nous où tu te trouves, on peut te protéger. Désolé, mais j'y crois pas. Et merde. Oh merde! Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC, ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. What the fuck, mon gars? Je suis en train de faire planter le PC. Donc on sait ce que faisait Tyson. Il y a des trucs cachés. On n'a aucune idée de l'endroit où il est. De toute façon, normalement, tout le monde est... Tiens, bitch! Oh putain de ma... Oh la vache! Elle est forte! Merde! Mendoza, faut qu'on sorte de là! Tu crois? Bon bah vas-y, faut qu'on sorte! Hein. On va Comment ça se passe? Dernière position connue, les ennemis intercepteront le dernier moment où vous avez vu, entendu, nana. Les icônes apparaissent, ouais. Cachez-vous pour échapper à vos ennemis lorsqu'ils fouillent, ils iront chercher ailleurs s'ils ne vous trouvent pas. Quelqu'un a vu les deux flics? Ah ouais. Faudrait pas que la police s'intéresse à nous. Faut qu'on se tire avant qu'il y en ait d'autres qui se pointent. Les mains en l'air, bien en vue. T'es taré. Qu'est-ce que c'est que ça? Des flics? Ouais, je suis flic. Y'a l'autre, je crois, qui m'a pas vu. Vas-y, vas-y, occupe-toi vite parce qu'il y a l'autre, je crois, qu'il nous a pas vu. Putain, l'autre il nous... L'autre, what the fuck, mon gars? Quoi, oh, il est où l'autre? Putain, il est parti là-bas. Oh, la chance que j'ai eu. Le mec, il se serait retourné, mon gars, j'aurais pris chien. Tiens, toi, plus un geste. Oh, tiens, mange. En tout cas, c'est de l'infiltration non-stop ou pas dans la mission? Parce que moi, j'aime bien l'infiltration, donc... Ah ouais, le mec, il l'a vu. Le mec il a grillé. Son pote il a vu aussi. Son pote il a vu. C'est pas bon. On va taser. Hé, hey, venez voir ça. Ah très bien. Elle fait dodo ma biche. Le fusil à pompe, comment je fais pour le prendre? Ah il est là. Pourquoi ça veut pas? Ah je l'avais déjà lui, nom de Dieu, d'accord. On va neutraliser le dernier, je pense. Je pense que c'est le dernier. Ouais. Nick, à la voiture. Oh merde, je crois que je l'ai tué. Lol. Lol. Le fail. Ah, de toute façon, un Georgie sans fail, ça existe. Putain, la voiture, c'est K2000, elle avance toute seule. Inspecteur Dao, on vous a trouvé l'endroit. Merci, PC, envoyez l'info. Pote Tyson n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la putain, je me suis fait sur le dernier, je lui ai mis un gros coup de matraque dans les jambes. On chope et on se barre. Ok. Ok, bah ça avance bien, c'est sympa. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi je trouve ça kiffant. Pas mal d'infiltration comme ça. 55, restez pas là, on voudrait éviter de se faire remarquer. Ah bah c'est trop tard. Ok. Enfonce la porte, Mendoza. Ok. Donc... Tu sais que t'es censé avoir un mandat? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, hey, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel? Vous savez ce que je fais toute la journée? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. Bon, on parlera de tout ça plus tard. Oh merde. Oh merde.
Wow. Ah putain, elle... oh, elle a un trou dans le bras là, madame. Ça okay. A traversé. Je maintiens la pression dessus, d'accord. Ça a traversé ou pas? Ça a traversé, c'est bon. Maintenez Z, ok. Ouais, ok, ouais. Ah bah, ça fait pas du bien, hein. Je vais nulle part. Foutez le camp! Prenez Tyson! Mec là, tiens, mange! Mange! Putain la vache, ça pisse le sang cette connerie. Kai! Kai! Merde, Kai, regarde-moi! Kai, reste avec moi! Merde! Putain, je vois rien, je vois rien, je vois rien! Concentre-toi sur eux, d'accord? Je vois rien! Ah bah t'as une balle dans l'épaule, ça va en mourir ma biche. Putain. What the fuck. Kai, tiens bon. Alors, elle va s'en tirer. Je sais pas ce que c'est, putain, je vois rien. Attaque. À terre, tout le monde à terre. On est flic, on est flic. Elle est blessée. Je crois que ça a touché une artère. Vous avez de la chance de pas vous être vidé de votre sang. What the fuck? Main en l'air, tout de suite! Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, vous laissez cet homme? Qui? Lui? Ouais, c'est un comptable d'ici. Putain, c'est manger une méchante balle dans l'épaule. Waouh. Bon bah voilà. Bon bah écoutez les vilains, on va mettre fin à cet épisode là. Franchement j'ai kiffé et puis on se retrouve pour le deuxième épisode. Je vais tourner quelques épisodes à la suite et puis on se retrouve tout de suite. Allez, t'as bisous.